Bonjour les enfants, comment allez-vous? Alors, c'est dimanche, je vous propose un jeu. Les syllabes. On joue. Je compte les syllabes. Je joue. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Il y a ici les nombres de syllabes. 1, 2, 3 ou 4 syllabes. Bon, je vais tout simplement lire et choisir parmi les prépositions ici, soit une seule syllabe, deux syllabes, trois ou quatre. Par exemple, an, an. Alors, il y a deux syllabes. Alors, pour réussir, je vois une consonne et une voyelle. Par exemple, ba, na, n. Voilà. Banane, c'est trois. Toujours, je vois une consonne et une voyelle. To, mat, trois. Par exemple, ici, les, yo, par. R avec D, non, ça ne compte pas, parce qu'il y a ici deux consonnes. Les yo par, les yo par, les yo par, trois. C'est comme ça qu'on va réussir. Zi, za, ni, trois. Allez-y. Re, oui, re, nar. D'après vous, est-ce qu'il y en a trois ou deux? Re, nar. C'est sûr, deux. Alors, bravo. A, mi, deux. Alors, je veux tout simplement une consonne plus une voyelle, ça compte une seule syllabe. Une seule syllabe, c'est une consonne plus une voyelle. Zo. Bon, on fait attention ici. Bon, car, car, na, val, trois. Ah, voilà. Fil. Est-ce qu'il y a une seule syllabe ou deux? Choisissez. Fil. Oui. Bravo. Une seule syllabe. Tulipe. Fais attention ici. Est-ce que c'est deux syllabes ou trois? Tulipe. Tulipe. Oui. Deux. Non, c'est trois. Bravo. Brocoli, brocoli, brocoli. Très bien, c'est trois. Épi, épi. Deux ou trois? Normalement, c'est deux ou une seule syllabe. Épi, bien sûr, deux. Alors, je dois faire très attention ici. Léopard, léopard. Les, yo, par 3. C'est facile. Canari, ce que vous voyez bien sûr. C'est quoi une syllabe? Une syllabe, c'est une consonne plus une voyelle. Ça se prononce comme ça. Canari, canari. C'est deux. Oh, je me trompe. Voilà, c'est 3. Pi. Alors, je vois une syllabe. Parapluie. Ah, ici, je dois faire très attention. Parapluie. 3. Ni. Attention, D ne se prononce pas. C'est syllabe. Chapiteau. C'est facile, c'est 3. Lit. Une seule syllabe. Café. Deux syllabes. Ah, ici, je dois faire attention. Pi. Ramide. Pi, ramide. Pi, ramide. C'est quatre. Ou c'est trois. Bus. C'est là. Farine. 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 Trois syllabes. Radis. Deux syllabes. Bravo. Alors, on va recommencer ce jeu, mais sans faute.
Farine, farine. Très bien, trois syllabes. Fil, une seule syllabe. Lit. Allez-y. Allez-y, répondez. Lit. Une seule syllabe, bravo. Tulip. 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 Trois syllabes. Bravo. Brocoli. Trois syllabes. Radis. Deux syllabes. Pyramide. Pyramide. Quatre syllabes. Bus. Une seule syllabe. Épi. Deux syllabes. Zo. Une seule syllabe. An. Est-ce que c'est une seule syllabe ou deux? An. Deux syllabes. Café. Deux syllabes. Canari. Trois syllabes. Léopard. Léopard, trois syllabes. Car, car, carnaval. 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 Lisez les mots et comptez les syllabes. Carnaval. 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 Très bien, trois syllabes. Ni, une seule syllabe. Ami, deux syllabes. Chapiteau, trois syllabes. Tomate, trois syllabes. Puis, une seule syllabe. Parapluie, trois syllabes. Zizanie, trois syllabes. Léopard, on a déjà vu, trois syllabes. Il reste deux pour gagner. Renard, renard. Renard, c'est deux syllabes. Banane, c'est trois syllabes. Voilà. Alors, l'essentiel ici, c'est savoir comment compter les syllabes. Une consonne plus une voyelle. D'accord? Alors, c'est pas la peine de rejouer encore une fois, mais savoir tout simplement quand. Ça veut dire le mercredi prochain, je vous propose. Un autre jeu, mais cette fois, c'est des mathématiques. Au revoir.